mènent la danse. On essaye au maximum de justement d'être consensuel avec eux, de les aider, d'aller dans leur sens. Parce que, et des fois, on ne nous rend pas l'appareil. On nous dit d'un côté, oui, on va faire de la prévention, il n'y a pas de souci. Et puis, on s'aperçoit derrière, ils ont fait tomber des têtes. Ils ont les derniers sautes et tout. Alors, on nous dit, oui, on va faire revenir les gens sur les essoufflés qui ont mieux. Qu'est-ce qui pose problème, alors? Ce qui pose problème, honnêtement, c'est la partie. Je sais pas, le mot doit faire peur, sûrement. Je sais pas, mais c'est l'ignorance, je pense. Ouais, c'est l'ignorance du mouvement, quoi. On croit. Certes, oui, c'est les médias, droit, les médias vont voir partout, comme en boîte de nuit, comme n'importe où. Mais comme les gens la connaissent pas, forcément, ils vont croire que c'est des rassemblements drogués, complètement défoncés, qui sont là juste pour se la mettre. Alors que non, les gens, ils viennent, c'est pour la musique qu'on fait, pour l'ambiance qu'on met. Et puis voilà, les soirées sont pas payantes. Parce que les gens estiment que les boîtes de nuit, déjà la musique commerciale ne les intéresse pas. Et en plus, il faut payer 15 euros l'entrée, plus le verre, il faut payer 10 euros. Ici, les gens ils viennent avec, ont pas les moyens, avec leur apéro, ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Et justement, on essaie un peu à faire la fête.